Madame, monsieur, bonsoir. Hop, on fait un petit tour là-bas. Bonsoir, bonsoir. Hey, yeah. Comment ça va? Bien installé? Confortable? Presque, on va dire bonjour ici. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, jolie fille. Bonsoir, jeune homme. Bonsoir, là-haut. Et bonsoir, bien évidemment, vous êtes tranquillement installé à la maison avec à boire et à manger. Aujourd'hui, vous allez voir évidemment la boîte, pardon, vous le savez, la boîte, c'est notre nouveau jeu tout à fait intersidéral où vous pouvez gagner un filet garni tout à fait extraordinaire. Mais on va accueillir immédiatement celui qui va rester avec nous normalement si tout va bien pendant une heure. Mais regardez ça d'abord, regardez. Apporte-moi 5 francs. Pour quoi faire? Pour faire un bon coup. Un bon coup. Ben, si je gagne, je t'emmène en week-end. Hein? Comment? Non, non, mais. Voilà, mesdames, messieurs, vous l'avez vu, vous l'avez reconnu, le voici, le voilà, Laurent Gamelon. Attention. Bonsoir. Je suis très content de vous voir, Laurent. Salut. Mesdames, messieurs, Laurent Gamelon, attention, le voici, le voilà. Laurent. Ravi de vous recevoir. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui ne va pas? Le succès! C'est presque un. Faut pas. Merci. Non, c'est parfois démesuré. Hein. C'est le même succès que chaque soir sur scène au Théâtre du Palais Royal. Exact. Voilà, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. On a déjà reçu Marthe Villalonga. Après-demain, nous recevrons votre camarade Michel Larocque qui viendra également. Oui. Vous voyez qui c'est? Oui, très bien. Très bien. Très bien connu. Vous êtes en forme? Très. Une émission physique ce soir? Oui. Pour vous? Oui. Vous êtes quand même pas trop épuisé car on m'a raconté, mais vous allez me dire si la rumeur est bonne, que vous aviez eu une paire de jumelles. De jumeaux. Oui. De faux jumeaux. Pourquoi des faux? Un garçon, une fille. Oui, mais j'aime pas cette expression faux jumeaux. Vous me cherchez ou quoi? Je vais expliquer. Des dizygotes. Ah, ce sont des dizygotes. C'est deux œufs. C'est vrai, ça s'appelle des dizygotes. Oui, ça s'appelle des dizygotes, ils s'appellent Simon et Eva et je suis très heureux. Et ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? Ils ont dit. Excusez-moi une seconde, s'il vous plaît. Quel âge honteux? Quel âge honteux? Ils ont 11 jours. 11 jours? Ouais! Simon et Eva. Voilà. Bravo. Félicitations. Merci. Félicitations. Allez. J'en prie. On va s'installer. Voici deux jeunes, mesdames, messieurs, Pierre Bellemare, Patrice Carmouze. Regardez par là, par ici, là, à côté de Pierre. Côté de Pierre, vous avez de la chance. Vous avez de la chance. Ah, ça, c'est Patrice. Ouais, c'est Patrice. Prévenu. C'est Patrice. Il est en béton. Vous prenez votre rien. La boîte. Il est un petit peu épaissi depuis la dernière fois que je l'ai vu. La boîte qui est tombée, qui s'ouvre. On va la ramasser d'ici quelques secondes, il n'y a pas de souci. Regardez votre micro. Regardez la fourrette. Et voilà. Non, ça, c'est rien. Dans l'autre sens. C'est rien. Il est foutu. C'est pas grave. Laurent, la boîte, vous connaissez le principe? Du tout. Bien, tu vas changer. Tout à l'heure, on va tout à l'heure. M'a expliqué. Des dizygotes ou bivitenins d'ailleurs? Bivitenins. Oui, bivitenins. Ah bon? Et deux œufs. Ouais. Deux œufs. Ah, pardon. Voilà. Donc, dizygotes et bivitenins. Il y a également aussi une chose, c'est que les jumeaux, mais là, les monozygotes, donc les vrais jumeaux, ont un langage à eux qui s'appelle l'éolien. Vous le saviez? Qui s'appelle? L'éolien. Bien sûr que je le savais. Il n'entend pas. Comment? Il n'entend pas. Patrice? Qui, moi? Comment? Très bien. Laurent, nous sommes vraiment très contents de vous recevoir. Moi aussi. Et à côté de vous, je vous présente Pierre Bellemare. Bellemare. Pierre. Bonsoir, Pierre Bellemare. Et Pierre, comme chaque semaine, vient évidemment nous raconter une histoire encore, vous me dites. Hein. Voilà. Voilà, stop. Pierre Bellemare, donc une histoire qui non seulement va être tout à fait épatante, voire extraordinaire, mais probablement, et c'est très certainement vrai. Oui. Mon cher Pierre. Oui, absolument. Mais vous connaissez très bien la personne à qui c'est arrivé. Mais je ne connaissais pas. Mais si, c'est... Oui, c'est... c'est Irina Natalia Bestamianova. C'est la première fois que vous la mettez. C'est donc, de la veste. C'est arrivé à Irina Natalia Bestamianova. Mais bien sûr, je la connais. Ah ben, vous la connaissez bien sûr. Elle habitait Vienne, vous vous souvenez, en Autriche. À Vienne? Oui. Bien sûr. Elle a 96 ans. Ah oui, c'est pas la même. Elle est morte à 96 ans. Elle est multimilliardaire, je crois. Elle était multimilliardaire, absolument. Vous pouvez dire... Oh, c'est fini. Bon.
Elle était multimilliardaire. Et alors, quand elle est morte, elle s'était fait vraiment faire tout ce qu'on peut se faire faire par la chirurgie esthétique. Ah ouais. Elle avait été 4 ou 5 fois tirée sur le visage, elle s'était fait refaire les oreilles, le nez. Visage. Elle s'était fait remonter les seins 20 de fois. Enfin, c'était absolument épouvantable. Il paraît qu'elle les avait là. Elle s'était fait refaire les dents, enfin tout avait été refait entièrement. Et un beau matin... Et vous, rien? Non, rien, moi, non, pour l'instant, ça va. Et donc, elle s'est laissée éteindre comme ça, à 96 ans, tout doucement. Voilà. Bon. Alors, elle a un testament. Un testament où elle donne les 2/3 de sa fortune à des œuvres de bienfaisance, ça c'est gentil, mais il reste 1/3. Et ce tiers va à un homme. Un homme qui voudra bien lui tenir compagnie pendant 1 an. Après sa mort ? Oui, bien sûr. Alors en quoi cela consiste-t-il ? C'est extrêmement simple. Eh bien, on va mettre 2 cercueils dans la chapelle funéraire au cimetière de Vienne. Ah, il est mort aussi ? Un cercueil plein, avec la dame dedans, plombée, tout et tout. Puis un cercueil vide. Elle était plombée ? Oui, elle était plombée. Et puis un cercueil vide, avec un matelas, un oreiller, des couvertures et tout, pour le monsieur qui va tenir compagnie pendant 1 an, 365 jours au fond du caveau, où il ne fait strictement que la nuit noire. Sauf petite lueur qui perce par les fenêtres de bronze. Monsieur. Fermées de bronze, pardon, de la chapelle. Il vient vivant ? Vivant. Et il passe que les nuits ? Oui. Ah non, 365 jours plein pot. Avec 2 fois un quart d'heure, oui, jour et nuit. Avec 2 fois un quart d'heure de pause pour le petit pipi, le matin et soir. Et les repas apportés par le gardien. Voilà. Non, mais il faut qu'ils soient réglés comme du papier à musique. Ah bah absolument, mais ça, il y en a. Hein. Moi j'en connais. Laurent, bon, oui. C'est passionnant. Oui, c'est, oui. Bah, c'est passionnant, c'est très intéressant. Mais vous allez voir. Vous avez fini de m'emmerder. Et vous savez que c'est passionnant. C'est, Pierre peut être d'une rare violence. Je brûle, oui. Donc, personne ne se présente... Bah, vous nous l'avez vexé, maintenant. Personne ne se présente pour tenir cette promesse. Bon. Vous voyez ce qui se passe ? Personne. Pas un homme ne vient... Pierre. Pardon, excusez-moi. Pas un homme ne vient pour tenir cette promesse. Et puis un beau jour, un soulard, dans un bar... Attendez, on ne comprend rien, excusez-nous. Si. Est-ce qu'elle avait décidé de l'homme qui viendrait ? Non, absolument pas. Mais celui qui oserait venir ! Ok ! Angela ! Fallait te chonner, Pierre ! Ah oui, non, mais... Tiens, j'avais pas vu cette frise qui est là maintenant, c'est intéressant. Ça fait des plus de spectateurs. Non, attendez, Pierre, c'est gentil. C'est gentil. Oh, bah, excusez-moi. Massimo, si vous voulez montrer la frise à laquelle vient de faire allusion Pierre, que personne n'a vu. Oui, parce que personne n'a encore vu, peut-être elle est intéressante cette frise. Regardez, même pas une caméra qui a dû nous faire voir ça. Voilà, regardez, maintenant ils sont peints. On dit souvent depuis lui qu'il est peint. Ben, ça y est, il l'est vraiment. Là. Laurent. C'est fini, oui. Bon. Non, mais sans blague. Bon. Donc, je repars. Un peu de concentration, nous sommes en direct. Donc, cette chère femme a décidé de donner 1/3 de sa fortune. Ça sent le vin. Soit 80 millions de francs, quand même, je le signale. 80 millions, 8 milliards de centimes. Oui, ben merci. Merci. À la personne qui passera 1 an avec elle, dans son caveau, enfermée dans sa tombe. Prêt. OK. Bien. Personne ne se présente. Puis un beau jour, un sous-l'eau, dans un bar, décide de se rendre chez le notaire. Il s'appelle Kurt Bon Krombichler. Krombichler. C'est à Vienne. Hein. Oui, c'est à Vienne. C'était pour ça que j'ai des difficultés avec la langue viennoise. Kurt Krombichler, vous voyez ? Courte. Et il va s'installer dans le caveau. Ça va durer 1 semaine. Au bout d'une semaine, il se met à chanter des cantiques. On l'entend chanter dans le caveau. Oh, bon, bien. Au bout de 15 jours, on commence à l'entendre parler. On ne sait pas très bien ce qu'il raconte. Et au bout alors d'un mois, on voit qu'il ne cesse d'injurier la morte. Il l'engueule. À longueur de journée, il la traite de tous les noms. Oui. Salope. Ah, tu as voulu que je vienne. Eh ben, tu as, hein, espèce de pourri. Ah bah, l'horreur. Mais bon, je disais bien, ça sent le vin, il y a 5 minutes. Bon. Ah. Alors, on va vérifier dans le testament s'il a le droit d'injurier la morte, si ça avait été prévu. J'en ai marre. Et rien ne contredit cela. Vous n'avez pas fait mal au doigt ? Non, c'est vachement dur. Hein. Ouais. Et alors, rien ne contredit cela. Rien ne contredit cela. Vous êtes de plus en plus bizarre. Et ça va. Et ça va durer 3 mois comme ça. Au bout de 3 mois, la presse a été alertée, la foule arrive, les gens entourent cette tombe, on entend ce type hurler et injurier cette pauvre femme. Et comment mange-t-il ? Je m'excuse, comment mange-t-il ? On lui apporte son repas, je l'avais déjà dit, mais je vous le redis. Le gardien lui apporte une fois par jour les repas. Et puis, au bout de trois mois, eh bien, mon Dieu, une ambulance va venir. On va le sortir de là et il est devenu totalement fou. Mais complètement fou. On sera à moins, Pierre. Depuis, le cercueil est vide et il reste 80 millions à prendre. Et vous avez été un petit tour, faire un petit tour, non ? Non, non, moi personnellement, j'irai pas, mais enfin voilà, c'est libre. Ah, vous pouvez y aller. Et je pense que si demain, il n'y a personne à l'émission. C'est libre, les 80 millions. Est-ce qu'un Français peut être toléré dans ce cercueil ? Absolument, il n'y a pas de 80 millions, un an ? Un an.
Monsieur, dame. Je m'excuse. Ah bah oui, non mais c'est, donc, vous avez c'est ce qu'avait prévu Kurt Krombichler. Alors ça, vraiment. Je m'excuse. C'est ce qu'avait prévu Kurt Krombichler, il n'a pas tenu 3 mois. C'est l'horreur. Hein. Pourquoi? Bah parce que c'est impossible. Pourquoi? Bah parce que c'est très difficile. Pourquoi? Bah parce que ça va pas. Et pourquoi? Parce que j'en ai marre. Bah pourquoi? Pas parce que je fous le corps. Bah pourquoi Pierre? Applaudissements pour cette histoire extrêmement passionnante de Pierre. Passionnant. Beau salaire, c'est un beau salaire, 80 millions. Mais je déteste. Pierre Bellemare déteste Laurent Gamelon d'entrée. C'est foutu. Ce gratteur m'ennuie. Ce gratteur. Vous jouez de la guitare. Non, mais tout à l'heure, on l'a vu gratter. Voilà. Ah, pardon. Ouais. Alors, excuse bien un peu de concentration. Voilà un des moments importants de l'émission. Qu'est-ce qu'il y a-t-il dans la boîte? Vous êtes venu pour me casser, me faire du mal. Mais rien, il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est? Rien. Qui c'est cette fille? Attention, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? 42, on l'a vu? On pas vu. 42, 48, 16, 16. On va bien voir si on l'a vu. Et sur Minitel, 36. Oui, 36-15, bien sûr. Code TF1, rubrique coucou. Voilà. Merci, Laurent. Aussi bien gagné par Minitel que par téléphone. Merci Pierre. Merci Patrice. On va prendre une première question. Première question, s'il vous plaît. Allons-y. Bonsoir. Allô? Bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Quel est votre prénom? Gilda. Linda. Gilda. Gilda. Oh, Gilda. Les gants. Oui. Les gants. Et les gants. Gilda. Quel âge avez-vous, Gilda? 19 ans. 19 ans. D'où nous appelez-vous? Auvers-sur-Oise, dans la région parisienne. Van Gogh. Exactement. Joli. Bravo, bravo. Donc, ouais. Vous auriez dû aller à la question pour un champion, hein, parce que là, attention. Tac. On va lui mettre une question. Alors, tout à l'heure, j'ai cité une question. Est-ce que je pourrais la changer, là? Ah non. Non. Non, non bon, alors, est-ce que ça sert à laver? À laver? Ouais. Non. Non. Désolé, Pierre. Non, merci. Je vais vous arrêter. Bon. Désolé, Gilda. Ben, parce que pourquoi vous voulez changer la question? Vous aviez vu ce qu'il y a dans la boîte? J'avais cru voir, ouais. Je suis juste devant le poste. Ouais. Ah, j'ai fait une bêtise, hein. Ah oui, vous avez trop secoué la boîte. Au revoir, Gilda. Oui, mais tiens. Alors, deuxième question rapidement. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Votre prénom? Fabien. Ça va bien? Ça va bien. D'où nous appelez-vous? Du Havre. Du Havre? Oui. Belleville. Merci. Votre âge? 21. Laurent Gamelon. Bonsoir. Bonsoir. Posez votre question. Je voudrais savoir si Laurent pourrait posséder ce qu'il y a dans la boîte. Ah oui. Ah oui. Ça, c'est certain. Tout le monde peut. Connaissant un peu, ça, je suis sûr. Je vais me le faire, le... Alors, Laurent. 60 ans, lui. Il s'accroche, hein, quoi. Mettez-y un coup de boule, Pierre. Mettez-y un coup de boule, on est là. Ça ne mérite pas, On va lui tenir les bras par derrière. Ah oui, ça, c'est ça. C'était quoi la question? Oui, est-ce que Laurent pourrait avoir la chose qui est dans la boîte? Non, ça vous gratte? Pourquoi pas? Ça me gratte un peu, oui. Non, mais tout le monde pourrait. Oui, tout le monde. Pas seulement Laurent, mais tout le monde. Mais plus particulièrement quand même. Non, vous aussi. Vous aussi, Pierre. Oui, d'accord, mais moi plus particulièrement. Allez-y, proposition. Ah oui. Une perruque. Ah oui. Il y a une erreur. C'est ça. On a merdé un peu au début. On a un peu merdé. J'ai personnellement... On va voir. On va vérifier si Laurent pourrait avoir. Vu ça, sa couleur de cheveux, là, c'est pour ça. Ça vous va beaucoup mieux, Laurent. Non, mais parce que si ça lui va pas... Laurent, je vous en prie. Vérification en direct. Vous avez gagné, bien évidemment, pendant que Laurent essaye la chose. Si donc, moi, j'aimerais aussi que si la semaine prochaine, Bernard Pivot pouvait, lui, m'inviter, ça me permettrait d'éviter ce genre de bêtises. Bien sûr. Ah, remarquez avec Pivot... Quoi que... Mais ça vous va comme un gant. Ah oui, c'est la vôtre. Ah, c'est superbe. C'est la sienne. C'est sublime. Nous allons voir après la publicité ce que vous venez de gagner. On verra ça en fin d'émission. Et moi, là, ça commence à me faire peur. On verra ça en fin d'émission. De toute façon, la boîte, je vous le signale, mesdames, messieurs, ne quittez absolument pas l'écoute, car la boîte va reprendre immédiatement. Pierre, je vais finir, excusez-moi. Pendant la publicité, nous allons recharger la boîte. Et évidemment, vous aurez à découvrir ensuite quel est le nouveau cadeau de la boîte. En tout cas, Laurent, merci de votre partie. Oui, bien sûr. Je vous remercie d'avoir fait un peu dépasser parce que. Ah oui, c'est ça. Ah bah oui, bah, j'assume, vous savez, mea culpa. Ce sont les aléas du direct. J'ai fait une bêtise, c'est une bêtise, grâce à ça, enfin, cela dit, on aurait pu faire gagner Gilda si elle aussi, elle l'avait vu. Bah, hein. Oui, elle aurait on va peut-être partager le truc en deux. A tout à l'heure après la pub. Merci beaucoup, tout de suite. Bien sûr, Laurent. Merci. Yanni.
voici le retour, mesdames, messieurs, au centre de la Maison de la Radio avec Laurent Gamelon, qui est ici, qui est posé sur un cube. Hein. C'est pour ça qu'il y a une grosse différence, parce qu'on l'a posé sur un cube pour pas qu'il soit ridicule, bien évidemment. Hein? Laurent, physique? Oui. Pleine forme? Pleine forme. Ça va être un moment très important, Patrice. Alors, le spiderweb. Le spiderweb, ça s'appelle. Qu'est-ce que c'est-il? Le spiderweb, vous voyez, c'est une sorte de grand fauteuil gonflable. Et on se met là-dessus, on court le plus vite possible. Oui. On se retourne en sautant et on essaie de se coller le plus haut possible. Parce qu'on tient avec ça. Et on tient parce qu'il y a du velcro derrière. Parce qu'il y a du velcro partout. Du velcro partout. Et en principe, vous devez tenir. Mettez-vous par là. Très bien. Laurent va... Et le tremplin, c'est ce qui est blanc, et là. Le tremplin est blanc, voilà. Vous Laurent, prenez votre élan en sautant. Prenez votre élan, Laurent. Et donc, vous asseyez sur la partie collante très de la toile. Pierre. Ah, c'est très beau. Vous c'est êtes là pour si jamais il y a un problème. Alors attention, mesdames, messieurs, Laurent Gamelon, qui est juste devant la caméra, va se précipiter. Hop, c'est celle-ci maintenant. Va se précipiter. Spiderweb. Laurent, première. Donc c'est le blanc. Oui, ouais, c'est prenez le blanc votre élan sur le blanc et vous vous retournez. Allez, Laurent, physique. Vous retournez en sautant. Allez, physique. C'était un premier essai. Il ne s'est pas collé. On va avoir un deuxième essai. Ça n'a pas été répété, mesdames, messieurs. Trois essais. Il faut revenir sur le blanc. Comment? Oui, mais je ne peux pas. Bah, permettez Laurent, venez ici. Venez ici. Venez ici. Ça. Bougez pas. Vas-y. Hop. Voilà. Prenez l'élan. Ah, il faut. Hey. Bouge pas. Voilà. On peut sauter à l'envers, hein. Il faut pas appuyer là. Il faut volter là. Il faut volter. Là, il faut volter. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais peut-être d'ici. Peut-être d'ici. Alors, on s'entend d'ici, oui. Alors, voilà. Essayez de vous retourner. Attention. Allez, sautez. Attends. Oh, c'est très dur. Allez. Hop. Oui. Voilà. Okay. Voilà. Pas mal. On peut arrêter, oui. Non, en fait, il ne faut pas monter là-dessus. C'est dit, vous voulez essayer, Pierre? Ah, merci. Non, mais non, c'est bien. Hein. Ah, très bien. Hein? Quoi? On peut sauter à l'envers, si on veut. Hein. Tu dois t'accrocher, là. Tu te retournes. Pas mal. Les gens qui sont très forts... Je vais vous aider à monter. Quand on est très fort, on peut se coller à la tête en bas. Hein. Venez, je vais vous aider à monter. Vous essayez de vous coller la tête en bas, si vous voulez. Sautez. Laurent, j'ai mon micro qui tombe. Vous sautez, de dos. Mettez-vous de dos. Mettez-vous déjà de dos. Voilà. Allez, hop. Ouais. Non. Trois. Il faut être synchro. Allez. Un. Deux. Trois. Bon. Voilà, c'est physique. C'est physique, ça peut se mettre à l'extérieur, à l'intérieur. Ah oui, surtout dans les salons tranquilles. Ah oui. Et c'est idéal pour des animations. Ah, je me suis pété les genoux. Voilà, on va enchaîner Patrice immédiatement. Ah bon, on va enchaîner avec l'actualité de... Débile. Laurent. De Laurent. Oui. Qui vient s'asseoir. Ah oui, c'est le moment. Venez vous installer. Oui, on va s'asseoir. On peut s'asseoir. Asseyez-vous un petit peu. C'est tuant. Oui, c'est tuant. Ah, c'est tuant, oui. Oui, c'est débile. Alors, ça peut se mettre à l'extérieur. Allez-y, Patrice. Alors, Laurent Gamelon. Eh ben, on va parler de silence. Vous êtes gentil. Non, absolument pas. Votre actualité, c'est quoi, Laurent Gamelon? C'est oui. Silence en coulisses. Au théâtre du Palais Royal, voilà. Depuis le 5 octobre. Avec Michel Larocque. Il n'y a rien à annoncer. Non, on a parlé de vous maintenant. Parlons-en. Alors, silence en coulisses. Silence en coulisses au théâtre du Palais Royal. Dont la première a eu lieu hier. Hier. C'est donc une pièce qui se passe en plusieurs parties.
Oui, dans un théâtre. Avec des acteurs. Attention. Oui, mais il y a un côté où on voit la pièce et un côté où on voit les coulisses. Enfin, un côté où on ne voit pas la pièce, justement. C'est une pièce que Michel Larocque. Que Michel Larocque a adapté, mais on en parlera après. Voilà. C'est ça. Parce qu'elle vient après demain. C'est pas la... de la mauvaise volonté. Comment ça s'est passé la première hier? Pierre, vous voyez, pas que je vous échappe, Pierre. Hein. Non, la première hier, Laurent Gabelon, comment ça s'est passé? Attendez, j'arrive. Je veux dire que c'est. S'il répond pas. C'est bien placé dans l'émission. Attendez. Sois doux. Oui, bah oui, j'ai bien, j'essaie. Oh là, attention, la boîte, elle va encore se casser là. Mais tu les enlèves, mais les ah, bref, c'est une pièce au palais royal. Voilà. Voilà, j'arrive, il y a un peu que pour deux. Avec, avec Marc Villalonga, il a pris un coup sur la bille. Mais c'est pas ça. Voilà. Alors. Merci Pierre, applaudissements pour Pierre Bellemare, madame. Quasiment aussi difficile que le fauteuil. Voilà. Très bien. Bien mon petit. Alors, allez, on va vous avez peut-être ma veste, Christophe. Peut-être. Non. Ah, c'est amusant. Non. C'est un petit colmarin. Voilà. Non, non, pas du tout. Donc, alors, et un petit manteau quand il fait frais. C'est une pièce de théâtre. Non, c'est une pièce extraordinaire parce que c'est une pièce où, effectivement, on a l'occasion de voir l'envers du décor. Les coulisses. Oui, généralement, derrière le décor, c'est les coulisses. Il y a rarement un stade de foot. Donc voilà, c'est des comédiens qui sont en tournée en province, des comédiens extrêmement performants et qui répètent une pièce, la jouent. Mais évidemment, tout va de mal en pis. Ouais. Ah, votre rôle est extrêmement physique. Vous vous faites attacher les pieds. Oui. Vous sautez partout. Je saute, je cours, je bondis. Mais tout le monde a fort à faire sur cette pièce. Et le deuxième acte est vraiment un acte magique parce que la pièce se joue, les gens ne la voient pas, elle se joue derrière. Mais qu'est-ce qu'ils font pendant qu'ils ne la voient pas? Ils voient tout ce qui se passe en coulisses. Ouais. Et les comédiens, à chaque fois qu'ils sortent de scène, c'est là où on les voit. Ah, et ils entendent ce qui se passe en coulisses. Ils entendent la pièce et ils voient ce qui se passe en coulisses. Et ensuite, ça se retourne. C'était déjà tourné au premier acte. On découvre les coulisses au second et on revient. Sur la pièce de théâtre, le troisième acte, qui est vrai, Duchossois, Marc Villalonga, Michel Larocque, Marc Villalonga, Michel Larocque, Julie Arnold, Maurice Chevitre, si vous... Julie Marbeuf, vous permettez, Julie Marbeuf, Guillaume Pellegrin, c'est mes clopes, et j'ai forcément bien, Maurice Chevitre, vous l'avez dit tout à l'heure, et Michel Cremades. Voilà, bravo, c'est une comédie. C'est très difficile, comédie. Ouais, si jamais il en a oublié, Michel, dans deux jours, on le dira. Hein. Oui. Oui. Alors, Patrice. Alors, on va recevoir Jay Alexander. Ah. Et oui, on vous en a parlé. Il vient de New York, spécialement pour nous. Spécialement pour nous. Et pour les défilés de mode. He's coming from New York. Et il a été repéré il y a 4 ans à New York. Il a été engagé par Jean-Paul Gaultier au départ. Et c'est lui qui apprend à marcher, à défiler aux mannequins. Car c'est un métier. Car c'est un métier de défiler. Avez-vous le sentiment, Laurent, que vous sauriez défiler? Non. Marcher avec des talons hauts? Non. Merci d'avoir retourné la manche. Je n'en ai pas le sentiment. Non. Et pourtant, Bonjour, jeune homme. Il va probablement être possible. Ouais, Jay Alexander. Que vous essayez. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, Jay Alexander. Sympathique Jay Alexander. Bien. Jay. Sympathique. Jay parle grand. Très grand. Très grand. Beaucoup Jay plus. Jay parle surtout anglais et japonais. Donc. Il mesure combien, monsieur? Combien vous mesurez? Il parle japonais? 182,5. Ah, tant que ça. 1m80. Et vous parlez japonais? Un petit peu. On va parler en anglais. Nous allons essayer de parler en anglais. Je vais essayer de parler en anglais. Mais juste avant. Just speak slowly, and then I will understand. And I speak slowly for you, and then you will understand. Voilà, okay, on va tous parler doucement. Tout le monde va parler doucement. Vous en anglais, nous en français. Moi, ce qui m'arrangerait, c'est que monsieur parle même vite, mais en français. Oui, parce que même slowly en anglais, je ne vais pas comprendre. Oui, mais Christophe va vous traduire. I am going to traduce. Thank you very much. Ah, so you understand something. For me, so better to express myself, it's best to speak in English, so... Nous allons prendre une première... Attends, on va peut-être parler un tout petit peu, non? Pour la question oui, si vous voulez, bien sûr. Ouais. Alors, dites-moi, en quoi, bien sûr, et évidemment, consiste votre métier, your job? What? J'ai dit une bêtise. What is my job? Yes, what's your job? Yeah. Is... Well, I have many jobs, but the one that I'm here to it's to coach the girls for the défilés. Voilà, il coach les top modèles qui défilent dans les grands défilés qu'il y a en ce moment, vous le savez bien, à Paris et ailleurs, n'est-ce pas, Patrice? C'est ça, c'est la semaine prochaine. Uh-huh.
So voilà, donc vous apprenez au mannequin, donc ça voudrait dire éventuellement, it means eventually, que les top modèles ne savent pas naturellement marcher comme un mannequin. Yeah, to be very natural, and also to be able to feel and... Ah, c'est l'anglais qui le rend comme ça. Un peu, little bit concentration. I beg your pardon, thank you. It's to be familiar with their body and to know how to move and express themselves. Voilà. Donc il leur apprend à faire de l'expression du corps, en fait, l'expression corporelle. S'exprimer à travers leur déplacement. À travers leur déplacement et leur marche. Est-ce que c'est... Is it very difficult to learn to somebody to walk or something like that? Well, first of all, you would have to want to learn how to... Walk. It's not just walking the street, it's for the défilés, yeah. And to feel the clothing and to bring the clothing alive. That's what's very important. Comprends? Voilà, faut vouloir apprendre. Pour apprendre, faut d'abord vouloir. To learn, we must want to learn. Yeah, you must want to learn and you... Vous voulez apprendre? Est-ce que vous voulez apprendre? Bah tout de suite, can you learn to Pierre Bellemare? Can we learn? Est-ce qu'on peut tous apprendre? Oui, can we learn? Oui, can you teach to Pierre? Teach to us. Would you like to do the défilés? On voudrait faire un petit défilé, bien sûr. Un petit défilé, peut-être avec des chaussures. À talons. Et avec la boîte que je vais d'abord montrer, si vous permettez. Oh, Alan, il y a un nouvel objet. On la tient fermée, je vous remercie, Laurent. Il y a un nouvel objet dans la boîte. C'est un truc de bête, ce qu'on vient de faire. C'est terrifiant, ça. Ah, c'est plus dur. Ah. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte 42, 48, 16, 16, vous le saurez, bien évidemment, en posant une question et éventuellement en répondant. Et vous savez qu'il y a un super filet garni. Alors, est-ce qu'on apprend? Avec Jay. Avec Jay. OK. Ouais. Who's the first student? On va prendre le... Quel est le premier étudiant? Celui-ci. Pierre. Voilà. Celui qui est... Il faut des chaussures. Le plus à même. Je vais choisir mes chaussures. Allez-y, Pierre. Alors. Un petit peu de détente. On va peut-être aller avec eux. Des grandes godasses comme ça, ça va. Merci beaucoup. Non, après. Ouais. C'est sublime, hein. Oh, c'est pas des talons très hauts, ça. Ah bah écoutez, je commence, hein. Doucement, Pierre. Je démarre. Non, normalement, Pierre. Pierre. Voilà. Pierre, normalement. Oui, normalement, je fais toujours tout normalement. Oui, je vois pas pourquoi, vous me dites ça. Non. Allez, j'arrive. Qu'est-ce que je fais? On m'effiche. Jay. Jay, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Oui. Qu'est-ce qu'on peut apprendre à Pierre? Marchez vous-même. Vous-même. Écoutez, c'est moi qui marche. Mais c'est extraordinaire quand même. Mais c'est complètement fou, cette histoire. Oui, je marche moi-même. J'ai des talons, forcément, c'est... Ça change, il n'y a rien à faire. C'est un peu différent, quoi, bon. Qu'est-ce qu'il y a? Moi-même. C'était quoi? C'est pas mal. Non, sincèrement. Non, ça va pas mal. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un dérangement. J'ai dit, c'est pas mal. Tu en femme. Pardon? Tu marches en femme. Je marche en femme. Oui. Non, je vais marcher en homme. Je vais attendre. Sorry. Je vais être du taille que j'avais jamais eu. Allez-y. Permettez. Je marche en homme. Il marche bien. Non, moins bien. Ça, c'est moins bien. C'est bien, ça. Pierre est moins bien en homme qu'en femme. Bonjour. Laurent, essayez de faire. Il n'y a pas de... Il n'y a malheureusement pas de 52. Mais si, regardez. Ça, c'est très joli. Ça, hein. J'ai essayé ça. Finalement, c'est pas énorme, ça. C'est bien pour vous, ça. Okay. J'ai marché comme ça. Jay, c'est bien que c'est la première fois qu'on marche avec des talons, nous, hein. Ah ouais. Moi je me sens, hein. Je suis parti dans un défilé. Hein. Allez-y, allez-y. Ah bah, ça, non, mais je... Moi ça me tente. C'est parti là, c'est bon, ah oui. Oh, 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 wow. Ah ouais, pas mal. Bien alors. Voilà. Ah oui, bien. Bien alors. Oh. Ah, poule. Ok, on va regarder un peu de Jay. Jay, il est pour vous. Oh là là. Non. Ouais, on va être très très énervé.
Je vous rappelle quand même que Jay travaille pour l'agence Elite et que tous ces, ces modèles... Jay, là, qu'est-ce que c'est que c'est... Qu'est-ce que vous allez nous montrer, Jay? What are you going to show us? I'm going to show you how to walk in a very tight skirt. Or just a very simple skirt. Très simplement. Okay, il va nous montrer comment on marche très simplement. Ça se gâte franchement. Hein. Mesdames, mesdemoiselles qui êtes devant votre écran, restez calmes. Messieurs aussi. Oui. Car Jay va nous montrer comment on marche très simplement. C'est comme Et je pense que déjà parti comme c'est simple. It's going to be, very simple. Il va chercher le pain. Extremely. Oui, il va chercher le Là, pain. Là, il va aux courses. Il va faire les courses. Il va au marché. Il va aux commissions. Ah, on peut s'habiller nous aussi. Mais oui, on peut. Bien sûr. Sorry. Regardez. Affligeant. J'ai perdu mon. Affligeant. Bah, donne-le-moi. Non, il veut pas. C'est pour lui. J'ai pas le physique. Faut pas embêter Jay. Pardon. Faut pas embêter Jay. C'est pour vous. C'est pour vous. Ça, c'est pour vous. C'est pour vous. Ah, ah, il a fait un truc pour l'an. Pour monter le pantalon en dessous. Oui, bien sûr, bien sûr. Faut descendre la cinquième. Alors, Jay. Hugo. Voilà. Ah, c'est bien ça. Mais ça, c'est-à-dire qu'il faut. C'est souple, c'est tout. Jay. Toujours remonter le pantalon. Bien sûr. Maintenant, je te présente mes excuses. C'est pas bon. Pas mal. Ah, le sérieux de ces dames. Ah, j'ai du racisme, hein. On a du mal. Ah, il y a plein d'accessoires, hein. Il y a des accessoires. Bien sûr, regardez Jay. Regardez Jay, mesdames, messieurs, ouais. Car c'est tout à fait exceptionnel. Je vous signale qu'il s'est produit très rarement en télévision, oui. Très demandé par les Américains. Une petite démarche suave pour aller aux commissions. Ah. Là, attention, regardez comment. Regardez comment il porte le manteau. Canaillère, my baguette. Regardez comment on porte le manteau, Christophe. Ah. Voilà. Ah, sorry. Ok. Il va nous montrer. C'est lui. Hein. I have not a belt. Ok. What's important? Qu'est-ce qui est important? Un peu moins de musique, merci. Is once you remove the coat, you should always unbutton from the bottom up. Il faut, si on veut bouger avec le manteau, il faut le boutonner de là à là. Mm-hmm. Exact. Because it's a cleaner line. Bah, parce que comme ça, ça fait une ligne clean. And when the coat is very long. Quand le manteau est très long. You do this. Les carottes sont clean. You drape it over your arm. I'll show you. Ah oui, on le met sur le manteau. On le met sur le manteau. Il va nous montrer. Regardez comment. Si vous avez, madame, mademoiselle, si vous avez un manteau long, regardez comment faire, comment on l'enlève, comment on le met sur le bras. Simplement, simplement. Ça, je suis... Oh là là, c'est... Oh, j'ai mal au cœur. Non, c'est tout. C'est vrai qu'il fait presque mieux que les mannequins. Ah oui, il le fait mieux. Hein? Il le fait mieux. Yeah. Yeah. Ça, je vais peut-être avoir un peu de difficulté. Okay, regardez, c'est pas fini, mesdames, messieurs, regardez. Là, il va le mettre sur le bras. Il va le jeter sur le bras. Il va se jeter négligemment, très négligemment, sur le bras, regardez. Ça, c'est exactement ce que font tous les plus grands top modèles du monde dans les défilés. Vous pouvez applaudir, Jay Alexander. J'essaie de faire pareil. Laurent, un manteau. Un manteau. Ah. Je veux pas me prêter le chien. Tenez, Laurent, vous voulez pas celui-là? Non, il en a. C'est bon, il a celui de Jay. Alors, je vous montre. Je vous montre. Regardez, Laurent, attaché. Oui, mais attendez, là, c'est négligé. C'est déjà un problème, alors. OK. Cherche la mère? Le bouton. Pas mal. Comme de l'étape. Jay, one last thing. The last thing is. La dernière chose est. To be very elegant and very chic. Pour être très chic. When you're wearing silk du soir. Quand vous avez un petit peu de soir. Mais j'explique à tout le monde, non?
very, very, just very elegant. Very smart. Something, well, and smooth. Elegant, smart, but also to be very chic. Oui. And very haute couture. Bien sûr. It's very important. And... Les Dalton. And to move to some very classical music or something, it's a different type of rhythm. Sort of like this. Oui. Quelque chose comme ça. Oui. De très, vous voyez, très smooth. Oui, oui, oui. Vaporeux. 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 Mesdames et messieurs, je voudrais que vous applaudissiez extrêmement fort Jay Alexander, dont c'est le métier. Dont c'est le métier. Thank you, Jay. Thank you very much. Jay Alexander qui apprend donc à tous les plus grands top modèles américains et du monde à marcher. Et croyez-moi, visiblement, il sait le faire. Applaudissements pour lui. Merci, thank you very much. Alors. Alors, Patrice. Est-ce qu'on a le temps de prendre trois appels pour la boîte? Rapidos. Oui, on prend trois appels pour la boîte. Alors, allons-y, premier appel. Premier bonsoir appel. À votre question. Calmez-vous, détendez-vous, tout cela est ridicule. Allô? La pub. On envoie la pub. Vous ne bougez pas, mademoiselle. On envoie la pub, on se retrouve tout de suite après. Vous ne bougez pas. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au 102 de la Maison de la Radio. Laurent Gamelon est toujours parmi nous, à quelques grammes en moins probablement, avec une émission physique comme celle-ci. Vous pensez que j'en ai besoin? Pas du tout, Laurent. Non, c'est pour vous mettre en forme pour tout à l'heure. Voilà. Ne me parlez pas comme à votre fiancée, s'il vous plaît. Hein. Ce n'est pas ma fiancée, c'est ma femme, et je lui parle extrêmement gentiment. Bonsoir, Anne. C'est la mère des jumeaux. Oui, bonsoir, Anne. Bonsoir, ma chérie. Des jumeaux... Dizigote. Dizigote et... Bivitella. Et Bivitella. Bonsoir, ma chérie. Allez, on va solder la vieille boîte. Bonsoir, ma chérie. On va solder... Donnez le filet garni. Le filet garni de la... Ah non, non, pas celle-là. Ça, c'est la nouvelle. Ça, c'est la nouvelle boîte. De demain. D'aujourd'hui. Non, d'aujourd'hui, mais on a... Il ne faut pas la secouer. Si, vous pouvez la secouer. Mais c'est pas celle-là qu'on fait. Bon, non, on a gagné tout à l'heure à la Péri... Non. Dis donc, moi. Mais il va y avoir des fuites après. Allez, le filet garni. Qui est-ce qui l'a gagné? Qu'est-ce qui a gagné le filet garni? Est-ce qu'on a en ligne? Mais si, on le sait, bien sûr, mais peu importe. Si on l'a, elle va nous, de toute façon, elle va nous appeler. Qu'est-ce qu'elle a gagné, Patrice? Elle a gagné. Moi, je propose qu'on partage, si c'est possible, le cadeau entre la personne que nous avons eue et Gilda, qui a été très cool et qui a dit ok, je garde ma question alors qu'elle avait vu. Alors qu'elle avait vu qu'elle aurait pu le dire. On va le partager, ils partiront tous les deux si c'est un voyage. Alors, il y a d'abord, ce qu'ils ont gagné, c'est un abonnement au magazine Théâtre Applaudir. Qui a gagné en fait? Comment s'appelle-t-il? Il y avait Gilda la première et Fabien. Quel âge avez-vous? Gilda, Fabien. 21. Du Havre. Et Gilda, quel âge avait-elle? 19. Bon, ça va très bien ensemble, ça. D'Auvers. Alors, ils vont d'abord gagner un abonnement au magazine Théâtre Applaudir et des places de théâtre pour plusieurs places de théâtre, dont... Y compris, évidemment, Silence en coulisses. Au Théâtre du Palais Royal. Et vous allez passer un moment de régalade. Mais il y a aussi les Enfants du Silence, il y a aussi... Laurent. Ah ça, il paraît que c'est très poilant. Vous faites des gestes, vous aussi, dans la pièce. Et il y a aussi L'Amour Foot, Le Cardinal d'Espagne et tout ça. Vous avez gagné donc cet abonnement-ci, vous et Gilda. Et vous avez gagné, vous et Gilda, vous êtes là Fabien? Oui, je suis là. Vous êtes prêt à partir avec Gilda? Tout à fait. Le cadeau. Excusez-moi? Tout à fait. Tout à fait. Gilda, est-ce qu'on l'a en ligne ou pas? Oui. Vous êtes prêt à partir avec Fabien? Non. Ah, bon, tant pis. C'est là où le problème se... Ah, bah oui. C'est dommage. Je suis déjà fiancée. Comment? Qu'est-ce que... Je suis déjà fiancée. Ouais, on vous demande pas non plus. On vous demande pas de conclure. Non, non. On vous demande de voyager. Non. Prendrez l'avion en même C'est-à-dire temps. Que si elle refuse de partir avec Fabien, ils n'ont ni l'un ni l'autre le voyage. Je pense que c'est Fabien qui l'aura. Bah, Fabien, il pourra partir. Voilà, Fabien pourra partir. On offrira, il y aura d'autres cadeaux, on offrira autre chose à Gilda, on va pas l'obliger à partir avec Fabien qui doit être en plus épouvantable. Parce que, on peut annoncer ce que je vous en prie. Eh bien, vous partez à Concile Travel avec l'agence New York. Non. Non, ils partent à New York avec Concile Travel. Alors donc, vous partez à New York avec Concile Travel. Ouais. Vous en foutez ou quoi de partir à New York? Non, combien de jours? Une semaine?
vous serez logé en plein air. Oui. En plein cœur de la ville. Et vous irez à la nage. À nage. Non, en avion. En avion. Et New York est à vous. On achète New York. No future. Qu'est-ce que c'est? C'est pour Fabien. Ben, c'est pour Fabien. Ben, je vous remercie. Allô? Bah non, c'est pour Gilda. Hein. Ils sont heureux. Ce qui est bien, ouais, c'est qu'ils sont heureux. Est-ce que ouais, vous connaissiez Fabien New York? Pas du tout. Et ça fait longtemps que j'avais envie d'y aller. Vous irez donc à New York avec la personne de votre choix, Fabien. Bah, je vous remercie beaucoup. Je suis libre entre les 8 et 19. Et quant à Gilda, nous allons lui offrir un sublime appareil photo qu'elle prêtera à Fabien, qui lui ramènera des photos. Voilà. Hein, on va faire ça. Et puis peut-être qu'après, ils après, y vont ensemble. Applaudissements pour Fabien et pour le cadeau. Alors, il y a un nouvel objet dans la boîte et on va donner tout de suite un indice. Laurent, vous avez attaqué un premier indice. Écoutez bien, écoutez bien. C'est clair tout de même. En tout cas, c'est sonore. Et voici le premier indice en chanson pour trouver ce qu'il y a dans la boîte. Attention, c'est parti. Charlie. Charlie et Lulu, mesdames, messieurs. Comme un garçon, les cheveux longs. Comme un garçon, je porte un blouson. Moi, médaillon, le gros ceinturon. Comme un garçon. Comme un garçon, moi, je suis têtu. Et bien souvent, je discute. Il est correct, c'est pour faire attention. Comme un garçon. Pourtant, oh, et pourtant, je ne suis une fille, 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 fille. Et quand, oh, et quand, quand, je suis dans tes bras, oh, dans tes bras. Je suis une petite fille, 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 fille. Perdue, quand tu n'es plus là, oh, quand tu n'es plus là. Comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Comme un garçon, je porte un blouson. Un médaillon, un gros ceinturon. Comme un garçon, comme un garçon. Moi je suis têtu et bien souvent moi je distribue des corrections pour faire attention. Comme un garçon. Yeah, yeah. Voilà donc un indice en chanson. Grâce à cette chanson, vous pouvez trouver éventuellement ce qu'il y a dans la boîte. À premier appel, peut-être. Pierre, avez-vous une idée, Pierre? Avez-vous une question? Ce n'est pas un garçon. J'ai regardé. Oh, ah non, oh non, non, ça c'est pas bien. Coup de boule. Premier appel, bonsoir, aller. Première question. Bonsoir. Bonsoir mademoiselle, votre prénom? Christine. Christine. Oui, Christine, bonsoir Christophe. Bonsoir Christine, bonsoir. Celle qui rigole quand on la chatouille. Bonsoir Patrice, bonsoir, bonsoir Laurent et bonsoir Pierre. Bonsoir Christine. Bonsoir, bonsoir Christine. D'où voilà, habitez-vous? J'habite en Provence. Oh, où ça? Eh bien, j'habite à Aubagne. À Aubagne. Oui, une très jolie ville. Très ravissante. Très jolie, Aubagne. Et voilà, je voulais vous demander si... ce qu'il y a dans la boîte peut se porter autour de la taille. C'est un bide total. C'est le jeu le plus facile du monde. En fait. Très joli, Patrice. Tiens, regarde, c'est pas de l'œuf. Hein. Veuillez répondre, s'il vous plaît, mon cher. La réponse est oui. La réponse est oui. Proposition. Là, je pense à un beau ceinturon. Comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Comme un garçon, j'ai les cheveux longs. On vient de le mettre. On vient de le mettre. On savait même pas, nous, ce qu'elle est. Si, on savait, si, on savait. Ah, si, on savait. Ah, ouais. On a décidé à l'instant. Non, on a décidé. On a décidé. Quoi. Laurent est présent. Vous étiez témoin. Tout à fait. Nous avons. Il y a une fuite ou bien? Non, 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 pas du tout. Écoutez, Christophe. En écoutant l'indice, et puis, bon, voilà, le bruit. Bah, oui, oui, oui. Il n'y a pas de suite. Et donc. Christine, vous avez gagné. Qu'est-ce qu'elle a gagné? Rien. Écoutez, ça a déjà été gagné, la boîte. Ça me fait plaisir. Non, 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 Christine. Ah non, Christine, je vous promets que vous avez gagné quelque chose. Je suis dans l'incapacité temporaire de vous dire quoi. Mais, on ne peut pas lui offrir deux places pour silence en coulisses. Mais, écoutez déjà. Ah, de toute façon. De toute façon, dès que vous êtes à Paris, vous pourrez aller voir Laurent, Michel Larocque, qui sera là après demain. C'est avec plaisir. Bah demain, avec Patrick Sébastien, on lui dira ce qu'elle a gagné. Voilà, voilà, demain, Patrick Sébastien sera là. D'accord. Et en sa présence, effectivement, nous vous dirons ce que vous avez gagné aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup, Christophe. Christine, bonne déduction, bon pif, applaudissements pour elle. Oui. Et beaucoup de chance aussi. Ah oui. Un peu de chance aussi. Christine, on vous embrasse très fort et bravo. Alors, la boîte pour ce soir, on arrête parce que les cadeaux, on ne va plus pouvoir fournir. Patrice, les objets. Allez, quelques objets. Parce que... Rapidement, alors, Patrice. Ça, c'est... Pour l'apéritif, vous mettez ça chez vous. Oui. C'est déjà gelé. Et ça fait des pop-corns. Et voilà, regardez. Enfin, Pierre. Qu'est-ce que vous mettez dedans? Des pop-corns, oui. Non, pas des pop-corns. Non, vous mettez des grains de maïs. Des grains de maïs.
Eh ben. Bah attendez, et, attendez. Et chaud, ça chauffe. Qu'ils vont gonfler. Voilà, ouais, il faut que ça chauffe. Oui. Et alors. Mais il faut pas fermer là. Ça, ça gonfle. Non, non, ça va. Non, c'est bon. Non, vous connaissez bien bon. Le. Oui, je vends, j'en vends. Hein. Je connais très bien. Vous vendez tout. 248 francs. Non, mais ça c'est. À peu près, oui, c'est ça. Il faut pas fermer. Non, non, c'est bien, là, très bien. Bon. Vous nous dites, hein, Pierre. Non, non, mais ça va sortir tout seul à un certain moment, laissez tourner. On va laisser tourner, Pierre. Ouais. Pendant ce temps-là, Patrice, vous enchaînez. Alors, pendant ce temps-là. Je vous retiens, hein. Je vous retiens. Est-ce que vous avez. Oh là là, ça c'est pour ce. Oh, Patrice, doucement. Attendez. Ça c'est. Ça, si vous avez déjà eu des. Laurent. Reflux d'eau, qu'est-ce que j'ai fait du. Il est là. Voilà. Non, Laurent, non. C'est pas un appareil c'est respiratoire, pas c'est un aquarium. Regardez bien. En revanche. Ça c'est bruyant, hein. Ouais, mais c'est pour venir, mais ça chauffe. Et comment qu'est-ce le. Que, qu'est-ce que vous faites là? C'est prendre dans la tronche les popcorn. Non, mais qu'est-ce que vous allez faire? Expliquez-nous. Vous le gardez. Là vous allez pomper l'eau? Je vais pomper l'eau, c'est une pompe à eau. Ça commence à sortir les trucs. Hein. L'eau? D'ailleurs, il saute déjà. Ah voilà, attendez. Vous êtes sûr que c'est pas le contraire? Non, non. C'est passionnant en tout cas. Hein. Alors, c'est. Non, mais c'est quand vous avez un. Trop d'eau chez vous. Oui. Il n'y a pas trop d'eau chez nous. Doucement, oui, Patrice. Oui. Alors, vous mettez. Bah, vous regardez. Circuit fermé. Voilà. Ça reflue. Regardez les popcorns qui sortent. Ah, voilà. Regardez les popcorns qui sortent. Ils commencent à sortir. Un petit popcorn. Non, attendez, attendez. Donc, c'est quand il y a trop d'eau chez nous, c'est-à-dire. Quand il y a trop d'eau. Bah, vous avez, je sais pas, quelque chose qui reflue, par exemple. Oui, un débordement. Un débordement. Vous pouvez immédiatement voilà. Pomper. Mais alors, il y a qu'est-ce qui se passe? C'est, qu'est-ce qui se passe? Par quel phénomène? Oui, enfin, Patrice, un peu de clairvoyance. Ah, parce que c'est une pompe à eau. Oui, mais actionné par quoi? Alors, c'est pour vider une cave inondée. Oui, mais d'accord, mais c'est actionné ouais. Par quoi, le c'est moteur c'est une pompe, Pierre, une pompe c'est une électrique. Pompe. C'est une pompe électrique qui peut fonctionner partout. Mais oui, le fil qui relie c'est cette pompe. C'est trois fils, c'est à pile. Ah, c'est à pile. Ne crachez pas dans les popcorns. Voilà. Attendez, je vais essayer de l'arrêter. Ah, déjà, on s'entend mieux. Donc, vu la longueur du fil, vous pompez dans la baignoire et vous remettez dans la baignoire ce que vous pompez voilà. Dans la baignoire. Dans la baignoire. Ou alors dans la cave. Dans un autre objet, Patrice. Dans la cave. Alors, ça, c'est très joli. C'est pas mauvais. Regardez, cela dit, c'est bon. Bon. Quelques pop-corn. Merci. C'est très bon. Ça, c'est un paillasson pour chez vous. Ah regardez, oui. Écoutez bien. Ou pour chez vous, plutôt. Vous rentrez chez vous. Plutôt pour chez vous. Bah, mettez un micro, Patrice. Tiens, Patrice. Hop. Oh là. Il avait pété un micro. Je rentre chez moi. Et je me casse la gueule, d'abord. Ah non, j'essuie les pieds. On l'a entendu, Patrice. Ça y est. Bien, non. Poule. T'adores. C'est de bon goût. J'aimerais bien que vous fassiez un petit coup de. De pompe à eau. De pompe à eau. On revient là où on la voulait plus. Oui, c'est 1200. Ça. Vous êtes dans la cave. Il y a eu une catastrophe totale. Voilà. Vous avez 33 cm de tuyau. Voilà. Et vous avez 2 litres d'eau et vous avez 2 mètres de flotte dans la cave. Donc vous mettez la pompe dans la cave. Et 2 ans plus tard. Et 2 ans plus tard, vous êtes toujours là. Il faut changer les piles. Le seul truc, c'est qu'il faut changer les piles. Il faut changer les piles. Non, c'est un appareil très astucieux pour un petit débordement. Voilà. Pour, pour des petits débordements, un évidemment. Petit débordement. Une gougoute. Non! Qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, une machine à laver, par exemple. Ah, ouais. Ça, regardez, bah oui. Ouais, un voilà. Truc à fond. Mais non, vous le mettez là. Ah, pardon. Oui. Voilà. Ah, donc, il faut un seau. Un seau. Oui, mais voilà, bah, c'est bon. Mais il faut une petite cave. Il faut une petite cave et un gros seau. Voilà. Ouais. C'est bien, mon gars. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Le cendrier magique, vous l'avez. Ah, oui, le cendrier magique, oui. Mais non, il est cassé. Bon, bah. Alors, non, bah, non, mais il non. Il est plus magique. Remettez-le. Remettez-le, Laurent. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur Laurent. C'est pas votre business, Patrice. Alors, le cendrier magique. Le cendrier magique, regardez. Vous mettez vos doigts. Non, non, hop. Dis donc, non. Laurent. Vous connaissiez? Ne touchez plus. Regardez, vous approchez la cigarette. Oui, ben, vaut mieux que Laurent le fasse. Allez-y, approchez la cigarette, vous. Voilà, ça s'ouvre. Essayez, vous, pour voir. Il est maudit, hein, c'est vrai. Hop. À vous. Attention, attention. Allez-y. Voilà. Ah je voudrais simplement vous rappeler une 23e fois que Laurent Gamelon vient de choucrouter le cendrier magique et qu'il est sur la scène du théâtre du Palais Royal tous les soirs. Dans Silence en coulisses. Avec tous ses camarades de jeu. Merci Laurent, salut, bonne soirée. Demain, Patrick Sébastien, bye bye.